Je connais, j'ai entraîné le football club de Nantes il y a quelques mois avant. J'avais trouvé un joueur, même chose, Salah, qui l'avait mal traité. Il était dans la même situation. Maintenant, il faut revivre comme ça. Après, est-ce qu'il y a d'autres qui peuvent être, lui, il y a 23 ans, il y a qualité, il y a de ces choses qui peuvent s'adapter. Le football moderne, le football qui joue Hakimi, certains garçons qui ont parlé, c'est pas même football, c'est même pas sport. C'est autre chose, monsieur. Mais il faut qu'on comprenne ça. Mais comprenez qu'est-ce qu'aujourd'hui, football moderne dans le monde. Mais pour marquer ça, c'est plus difficile. C'est-à-dire, je suis dans la réflexion totale de préparatif. Je sais que vous êtes passionné, de football, que vous adorez votre équipe nationale, que tout le monde attend maintenant, allez, on va faire le super travail d'arriver, paf, on va gagner partout, on va marquer chaque match 4-5 buts. Malheureusement, je vous déçois, ça, c'est pas ça. Est-ce que je veux aussi? Je ne sais pas non plus. Mais ce n'est pas la première fois. Et au club, j'avais trois sélections que j'avais à peu près la même chose. Je connais pire. Mais ça, je dis, garçon, pour moi, on ferme la gueule, on bosse, on accepte critique, on veut ce qu'il mérite ou non. Mais je peux vous dire, le gars, ambiance, il est superment bien. Ils rigolent, il est comme ça. Mais maintenant, résultat, j'aime bien aussi gagner. Je déteste perdre, comme ça. J'ai mis pression énorme. Pour la suite, match contre demain, contre Aragon, c'est hyper, hyper important. Que le groupe prenne plaisir à gagner, culture de gagne, il faut installer. Quand il gagne, beaucoup de choses sont mieux comme ça. Quand il ne gagne pas et quand il demande l'exigence, ça peut user le joueur. Après, le problème de blessure, le problème avec les clubs propriétaires de joueurs qui font une énorme pression sur le joueur qui ne joue pas et comme ça. C'est pas seulement Morak, et Brésil, et d'autres sélections, ils ont le même problème, certains même refusent d'arriver. Ça veut dire qu'il y a un contexte qui est assez compliqué, il faut avoir beaucoup de compétences, beaucoup de patience, expérience, pas seulement sélectionner. Tout le monde, les présidents et tout ça, qu'on travaille dans un projet pour le football à venir de Maroc. C'est un projet assez énorme, mais je vis les gens, ils ont passé, après, chacun a son joueur préféré, pourquoi appeler ça, pourquoi pas appeler ça, mais tous qui sont bons, ils seront là. J'ai déjà dit 40 joueurs, j'ai déjà convoqué, mais pour jouer équipe nationale, mais ils font un règlement, on ne peut pas se comporter pour n'importe quoi. C'est honneur équipe nationale, personne n'a pas de toucher. C'est question 40 millions de Marocains. Et quelqu'un guéri qui veut dire je veux faire ça, je veux jouer s'il veut faire ça. Non. Tout de suite, on arrête la discussion. Il y a beaucoup de choses, vous savez, certains ils communiquent une chose et ça se passe derrière l'autre chose. Personne ne va pas faire chantage pour que je sois sélectionné. Personne. Ils appellent le meilleur joueur du monde. Voilà, comme ça.